simple, t'as 1m50. sur 2m50, vous l'avez entendu, c'est à peu près la taille qu'il y a à la table de Trick Track. Et c'est aussi la dimension des joueurs. Quand on les met bout à bout. Autour de cette table, il y a de la bonne humeur, mesdames et messieurs. On va jouer à Cannon Buster. C'est un Happy Baobab Games, hein, j'espère que je ne me trompe pas, et qui nous arrive en français grâce à Pixie. Vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Fred qui nous confirme, n'est-ce pas Fred? Je confirme. Et pour pouvoir se balancer des boulets de canon à la tronche, il nous fallait des gens qui avaient de la bouteille, de quoi, du rebondissement, du muscle éventuellement, n'est-ce pas Christophe? Bienvenue aussi. Voilà, bah, j'aime beaucoup. On dirait le Stallone. Exactement, bien sûr. J'aime beaucoup. Et pour finir, celui qui va pouvoir peut-être prendre sa revanche après les donjons humides, le voilà chez les pirates. Salutations Florent. Salut Guillaume. Nuts Publishing pour Florent, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal puisque Nuts Publishing sur One Deck Dungeon, en l'occurrence, est distribué par Pixie, d'où tout ce beau monde autour de la table. Cannon Buster, c'est donc un Happy Baobab du côté de la Corée du Sud. Un petit clin d'œil à Emmanuel Beltrando aussi, hein, puisque dans l'équipe Baobab, et à Mathieu de Mathieu, dites-nous, voilà le petit clin d'œil de Christophe. Petit coucou. Cannon Buster, il arrivera quand? Cannon Buster, il devrait être là pour Cannon. Cannes 2018, le jeu de Gary Kim. Et peut-être même que vous allez y reconnaître deux, trois petites choses illustrées par Otol. C'est Illotol. Pixie Game pour la VRF, 2 à 4 canonniers. On va y jouer à 4 à partir de 8 ans de piraterie. 30 minutes fliblustière, en sachant que nous, on va démarrer directement la partie. Ça coûte un certain prix. D'accord, ben voilà, ben c'est pour ça que je vais le mettre dans un certain de verre de Trick Track. Et bingo la flamme. À chaque fin de Trick Track, on dit, faut qu'on se mette une fiche pour aller en tête. Et à chaque fois, bim, ça passe à la... Écoutez, normalement, votre commerçant ou votre petite boutique en ligne ou en dur devrait pouvoir vous renseigner sur le futur prix de Cannon Buster. Hein? Nous, on va y jouer, c'est déjà pas mal. Fred, j'ai confiance en toi, je t'écoute. Alors, Cannon Buster, donc pour ceux qui connaissent Corio, ils vont être en terrain un peu connu. Pour les autres, on est sur un jeu qui est au final simple dans son explication. Donc, on va avoir 6 manches. Oui. À chaque manche, chaque personne va recevoir un certain nombre de cartes. Le nombre de cartes est indiqué ici, donc sur la première manche, 9 cartes. À la dernière manche, on ne recevra que 4. Sur ces X cartes reçues, on en choisira 3 et uniquement 3. Parmi ces cartes, donc dans le paquet, il y a 1-1, 2-2, 3-3 et ainsi de suite. 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8. D'ailleurs, j'avais... Hop, ouais, là, c'est mieux. 8, 8, tout à fait. Ouais. Chacun, je reviendrai après, il y a aussi des canons. Aussi les canons, je les ai sortis parce qu'en fait, il y a 3 types de canons différents. Alors, on verra en fait, les salves de tir interviendront après la pose des cartes. Mais très vite fait, ça, c'est le canon simple. On va lancer le dé, faire un 1 comme d'habitude, tu fais 3. Et donc, là, tu choisiras, si tu as ce canon que tu fais un 3, tu choisiras un personnage 3 chez un autre joueur et tu détruiras sa carte 3. D'accord. Une de ses cartes 3. Ça, c'est canon multiple. Là, ça veut dire que tous les joueurs ayant un 2, en l'occurrence, perdront une carte 2. D'accord. Y compris soi-même? Non. Non. Ah, pas soi-même. En revanche… Et le canon molle? Et ça, c'était très bien joué. Le vieux tromblon. Alors, le vieux tromblon, si tu fais un 2 et que tu as un 2, effectivement, tu détruis ton 2. D'accord. En revanche, si tu n'as pas de 2 et que quelqu'un a un 2, non seulement tu les détruis comme pour les autres, mais en plus, tu prends une pièce. D'accord. Qui vaut un point de victoire à la fin. Plus, en fin de partie, tous les vieux tromblons qu'on aura dans notre terre de jeu rapporteront 2 points de PV supplémentaires. D'accord, donc un petit risque, mais ça peut rapporter gros. Exactement. Ok, je te redonne tes 3 canons que tu vas mélanger et on va recevoir 9 cartes chacun. Exactement. J'en profite maintenant pour expliquer les pouvoirs de chacun des joueurs. Donc, le personnage numéro 1 va un trésor qui va de 0 à 3 en nombre de pièces et donc en nombre de victoires. Le voleur permet de voler un trésor à un joueur ou une pièce s'il n'y a pas de trésor. Le voleur de canon… Il vole un canon. Exactement. La collectionneuse de dragons, elle va permettre de récupérer une pièce par canon en sa possession. Le destructeur de canon va détruire un canon chez un joueur. Le bourgeois va prendre une pièce.
La charmante demoiselle qui est là va permettre d'échanger un de ses canons avec le canon d'un autre joueur. Oui. Et le 8 n'a absolument aucun pouvoir. Il faut savoir que celui qui a le plus de cartes du personnage concerné, c'est lui qui prend le personnage. Exactement, voilà. C'est à la majorité. Si deux personnes ont le même nombre, il n'y a pas de majorité, donc on ne prend pas le pouvoir. Au milieu. À la toute fin de partie, donc après la sixième manche, on va recompter les majorités, y compris sur le 8, et on gagnera autant de points de victoire que de majorité qu'on aura. D'accord. C'est-à-dire que si on a la majorité des 8, on prendra 8 le points. Le 8 qui vaut voilà. Points de victoire. Donc, les pouvoirs sont plutôt assez forts sur les bas chiffres, mais les points de victoire… D'où l'équilibre, exactement. Donc, 9 cartes. 9 cartes. Et on va en jouer 3. À chaque tour, uniquement 3. 5, 6. Mais du coup, je ne l'ai pas joué comme ça. De quoi ? Même en manche 2, c'est pas comme Corio où ça décroît d'un côté et ça accroît ça de l'autre. Alors, s'il y a un point de règle que je n'ai pas expliqué, parce qu'en fait, il intervient surtout en deuxième manche, c'est le nombre de cartes qu'on peut garder à la fin d'un tour. D'accord. À la fin du premier tour, on pourra en garder 3. De toute manière, comme on en a pioché, enfin, quand on a sélectionné 3, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. En revanche, à la fin du deuxième tour, on ne peut en garder que 4. Or, ouais. Si on ne s'est pas fait pourrir par des canons adverses, on a jusqu'à potentiellement 6 cartes posées devant soi. Mmh. Et là, il va falloir commencer à en dégager. En revanche, à la dernière manche, on peut en garder infinie. Autant qu'on veut. Exactement. Ok, c'est toi qui commences. Voilà. Oui, jetons premier joueur. T'es le plus grand pirate. C'est-à-dire, c'est la carte que tu joues face cachée ? Je sélectionne 3 cartes, on sélectionne chacun 3 cartes. Ah, dis-moi, c'est comme ça, boum, paf. Ah, paf, paf, bim, bam, boum, c'est ok. Oh, punaise, vous êtes un peu gravos, là. Non ? Non, vous ne trouvez pas ? Ok. Pourquoi ? Vous ne trouvez pas. Je vais faire ça. Et puis… ça, et puis… ça pue, ça. Ça, ça pue. Ça, ça pue. Et puis ça. Non. C'est bon ? Si. Yeah. Ouais. Allez. Donc, donne-moi ton paquet, parce que je sais que sinon tu vas changer d'avis en plein. Donc, on révèle nos 3 cartes. Ok. Voilà. Dans l'ordre, on va regarder s'il y a des majorités. Donc, par exemple, majorité de 1 pour moi, majorité de 2 pour toi, ça, yeah. Ça me prend bien la tête. 3, majorité par là. 4, on est deux en avoir 1. On est, ouais, personne. Pas de majorité. Le 5, j'en ai un. Personne. 6, t'es seul, je crois. Ouais. Oh, merde. 7, il n'y en a pas. 8, oui. 8, on s'en fiche de toute manière. Hein ? Ah oui, puisque c'est qu'à la fin. Ouais, c'est qu'à la fin. Ah, super. Ouais. Donc, du coup, pouvoir. Tu prends un trésor. Pouvoir, je prends un trésor. Que je te vole. Que tu vas me voler derrière. Bien sûr. Non, non, mais tu étais gentil, tu me le voleras tout à l'heure. Hein ? Ouais, pourquoi tout à l'heure ? Ouais, parce que tu verras. Non, enfin, en l'occurrence, je ne vais rien pouvoir faire avec. À partir du moment où, en fait, on a le token, oui. Même si j'arrivais à te détruire ton 2, oui. Tu garderais le token et donc tu me volerais le trésor. D'accord, donc je peux te le voler. Ouais. Voilà. Mais tu vas quand même attendre. Pourquoi ? Parce que ça me fait plaisir. D'accord. Ah oui, parce que tu veux tirer avant. Voilà, juste pour le plaisir de te le dégommer. Donc, je tire et là… Oh ah ah, tapé deux. Mais j'ai le token. Voilà. Tac. Et il n'y a pas d'autres deux, donc je ne détruis qu'avec toi. Voilà. Voilà. Le 2 fait son pouvoir. Et tu n'as pas fait ton 4 là, si ? J'ai pas fait mon 4 parce qu'on était. Chez égalité, ah oui, donc il n'a pas eu. Pas de majorité. Donc c'est à toi, Florent. Pourquoi ça lui fait mon pouvoir d'avoir Tu prends une pièce. Tac. Le pouvoir est posé. Okay. Tu as un canon. Donc maintenant tu tires. Ok. Ça pourrait être toi. Hein. C'est la bidmol. Hein, pour... C'est le. Ouais, c'est ça. 8. Ça. 8. Bim. Tiens, le berlingot. Tiens, et en produce, tu prends une, ah oui, une pièce. Pourquoi une deuxième bah, c'est la, fait. La première, c'était pour le bourgeois. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Pour le shoot, là. Bien vu, bien vu. Moi, je te vole, alors, je te vole ton canon. Vache, canon. Et donc, j'ai deux canons. Oh la vache. Ouais. Alors, donc, tu t'annonces d'abord celui avec lequel tu vas tirer. Caméra, hop. Je les avance un tout petit peu comme ça, on saura. Ouais. Donc, paf. Donc, ouais, t'annonces avec lequel tu tires. Merci. Celui-là. Ok. Nickel. On va faire comme tout à l'heure, en effet. Le 3, c'est violent. Ouais, mais c'est. Ah oui, ça avait été protégé. Ok, et d'accord. Et du coup, tu, maintenant, tu tires avec le canon multiple. 2. Ouais, c'est bon, hein, il est déjà parti, hein, ça va, hein, les gars. Donc, tu touches rien. Ok.
À moi. C'est ton tour. Tiens. Ouais. Tu regardes pas en revanche ? Non, je regarde pas. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un autre voleur. Eh, 5, c'était quoi déjà ? Non, mais tu n'as pas la majo. T'as pas la majo. Ah oui, j'avais pas la majo. Tu peux détruire un canon à quelqu'un. Tu peux détruire un canon. Voilà. Super, je finis avec une carte. Donc, bien. On finit le premier tour. Toi, en revanche, bah, tu as 4 cartes, sauf que tu peux en garder que 3. Ouais. Donc, tu choisis. Je t'ai pas rendu ça. Je vais rendre le canon là. Ok. Ah oui. Le jeton premier joueur change. Exactement. Avec, ça tourne. Hop. Tour 2. Je te mets dans le champ. Garde à vous. Donc là, 8 cartes chacun. Ils étaient 15 à l'intérieur du fût du canon. 15 et du rhum à bord. 8 chacun, ouais. 8 chacun. On peut retrouver un petit peu le côté Corio. Sur oui. Mais piraterie. Les canons font mal, hein. Ouais, les canons peuvent faire très très mal. D'ailleurs, le titre du coup est beaucoup plus compréhensible. 1, 2, oui. 3, 4, 5. Canon Buster, c'est bah plutôt oui, bien 6. Vu. 6. Je crois que c'est 7. Moi, je suis à 7, moi. Perso, moi aussi. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est donne. Et là, on en joue 4. On en joue 4. Non, on en joue 3. À chaque tour. C'est 3 tout le temps. À chaque tour. Mais c'est qu'à la fin, on pourra en garder 4. Ah, on pourra en garder 4. C'est naze. Il y a du rhum à bord, mon garçon. Ah, mais non, mais sois malin. Sois malin, fais pas le crétin, Guillaume. Ah, mais non, si. Ah, mais non, si. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être dingue, oui. Enfin, tu me diras, vous me les avez tirés dessus. Vous m'avez tiré dessus, donc oui, c'est fait. Foiré, la pinaise. C'est bon. Il me révèle les trois. Que j'ai le temps de changer. Alors, on vient les cumuler avec ce qu'on a déjà. La rivière. Pof, pof. On refait salaud. Maintenant. Sale con. Ah oui, carrément. Sale con. Donc, le 1, c'est toujours chez moi. Ouais. Par contre, il y a pas de repêche à chaque fois, ton 1. Ah ben non, mais il reste. Ah oui, vous ne l'avez pas déglingué. Ah non, mais oui. Je ne repioche pas. Le 2, ah, c'est dommage, c'est partagé. Ballon, hein. Ah, c'est ballot, hein. T'as eu Cholimich. En revanche, tu vas pouvoir détruire un canon. Non, prendre. Prendre un canon à jouer. Tout à fait. Là, tu me fais bien chier. Mais tant bien. Mieux, tant mieux, très bien. 5, il n'est toujours pas sorti. Le 6. Si, si, mais il en a aussi. Ouais, 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 ça, c'est ça, on est égalité. Ouais, on est égalité. Le 7, 7 tu c'est pour prends. Toi. Hop, là. Et là, je crois que c'est ce moment-là que je vais pisser, moi. Manifestement. T'as vu trop droit, ce garçon. Fais-toi plaisir. Donc, une petite pièce avec celui-là. Ouais. Il se fait déjà du point de victoire. Ce signe-là, c'était quoi tu peux échanger un de tes canons avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le multi. Ouais, mais enfin, le tien. J'aime bien celui-là, moi. C'est un peu. Il vise le long terme. C'est ça. C'est les mecs stratèges, c'est les stratèges. Allez, attention. Vas-y. 6 bon. Merde. 6, ah, bah tu viens. Non, 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 il commence par lui. Ouais. Tu commences par toi. Un seul. C'est bien, il vient de t'exploser à la face. Exactement. Moi j'ai juste ça. Voilà, là, vas-y. Un petit canon. Donc j'ai pas de pièce parce qu'il a pas. Eh ben c'est ça. Ouais. Il a pas fait mouche. 6. Ben, il vient de t'enlever. Oh ah, c'est beaucoup moins bien. Ça sent la pièce au troisième tour, ça. Ça c'est bon, ça. C'est clair. Ah, ça c'est vol bon. De canon, donc là tu peux voler un canon. Ouais, je vais voler le 2 là-bas. Eh, mais arrêtez de lâcher les sur notes. Mais papa, c'est pas du il tout ça. Vous êtes arraché. J'ai le droit de tirer du coup. Ah avec la molle. Ah non. Ah bien sûr que si, oui, il est très bien. Ouais. Je prends une pièce. Ah bah, si t'arrives à toucher quelqu'un. Joli Germain. Merci Germain, on ne tire pas avec la molle dans les notes. 7. Oh la vache. Donc là, je prends une pièce. Ah, Florent, il prend bon, je pense que là, c'est moi qui vais aller pisser. C'est peut-être plus, tu vois. Alors, moi, je prends un trésor. Hein. Ah ouais. Que je te piquerai au tour d'après. Je tire. Vas-y. Moi, personnellement, à ta place, je me serais piqué un canon. Ouais, tu tires avec le multi, là. Non, ouais. Pas envie. Bah si, parce que là, j'aurais pas pu tirer si tu me l'avais piqué. Oh, ça, c'est pas grave. Tu vas tirer avec la molle. 7. C'est pour... Allez, plus qu'une, les gars. Plus qu'une. Oh, vous pouvez y arriver. J'ai honte. Si, si, vous pouvez. Et... Ah oui, j'ai pas tiré avec celui-là. Ouais, ouais. Ouais. Ça, hein. Un petit 5 et puis... Un petit 1. 7, j'en ai plus. Alors zut, il aurait fallu que je tire avant. J'avais pas vu que j'avais oublié. Eh ben allez, tour 3. Tour 3. Moi, je suis ton premier joueur. Ouais. Du coup, on peut en garder que 4. Ouais, ouais. Attends.
Oui, on peut en garder On peut en garder que 4. Donc pareil, hein, que pour moi, Chris, ça va. Si vous voulez m'en donner, il n'y a pas de trade. Oh, moi, je sais pas, mais manger. Ok, d'accord. Tu sais, voilà, tout savoir faire dans la vie. C'est vrai? Ouais, ça y est, c'est fait. Non, quand je joue à Fred, ça, c'est pour faire la classe. Je peux être coupé. Hein. Vas-y. Donc, 10 sur plus de part de plus que 7. Je te les pousserai après. Oui, t'inquiète pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Pour Florent. Je donne pour Florent. Ça marche. Donc là, Guillaume, on en garde combien? On en garde 3. Bien. Parce qu'à chaque tour, c'est que 3. Bien. C'est naze. Bien. Je suis bien d'accord. Moi, c'est parfait. Nickel. Ça me va très bien. Surtout, oui. Change rien. Ah, ça m'énerve. La scène de mémoire, il faut avoir un propre canon pour échanger avec un autre. Ouais. Je te confirme plutôt. Ça m'énerve. Ouais. Allez, je vais faire ça. C'est quoi cette bonne main de fumier? Ça, c'est... J'aime bien comme dès le départ, tu annonces. Allez, hop, une là. Bonne main de fumier. Donc, alors le 1, c'est toujours toi. Le 1, c'est toujours moi. Le 2, il bouge pas. Le 3 vient là. Le 4, je le prends. Ça, c'est cool, même si tu vas m'en piquer un. C'est pas grave. 5. Le 5, c'est chez toi. Ouf, c'est chez moi. Ouais. 6, c'est chez toi. 7, c'est chez toi. Et 8, on s'en fout. 7, c'est chez toi. Ah, bien. Donc là, une pièce. Alors, on va chez toi. Attends. Oui, t'es premier joueur. J'ai un lit. Tu prends une pièce. Tout à fait. Une pièce. Et le dé, s'il vous plaît, messieurs. Ah oui, tu vas tirer. On va d'abord attaquer au multi. Ouais. 5. Oh, c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave. Dis-moi, tu veux combien? Qu'est-ce que tu veux? Ah la vache. On va tirer. Allez. 6. Ah non, non, non. C'est non, toi. Mais ouais, mais ça le touche non, pas. Non, c'est toi. C'est toi. Bien tenté. J'ai essayé. Bien tenté. Ok, je pique un canon. Ouais. Eh ben, ça m'aurait étonné, ça. Ah, tu me diras, ça peut faire tellement mal. Allez, vas-y, prends. Après, prends, tu peux en garder que 5. Prends. Alors, je tire deux fois, donc. Hein. Ouais. Tu tires, tiens, tu me redonnes le 6, s'il te plaît, Chris. Ouais. Ouais, bon. 3. Qui? Toi. Toi-même. Toi. Je me prends une tuile ou… Non. Le deuxième. Juste un gadin. Et refais 3. 7. Tiens. Allez, une pièce. Si je perds la carte, je perds le token. Non, tu le gardes. À toi. Oh, le massacre. Bon, ben, je reprends un trésor. je prends une pièce. J'allais te poser la même question. Et là, j'ai réfléchi maintenant. Je prends une pièce pour le canon qui me reste et je lance le dé en multi. Allez, un 5. 4. 4. Multi, ouais. Toi aussi. Non, moi, je suis pas touché. Ça va. C'est moi qui tiens. Il me plaisait pas celle-là. J'allais la virer de toute manière. T'aurais pas dû la prendre, je crois. Hop là, à ton tour. Donc là, tu détruis un canon, celui de ton choix. Ouais, mais comme je suis le dernier, c'est… Moi, j'ai le multi, le normal. C'est sûr que tu vas pouvoir le jouer, le canon. Bah, c'est danger, là, tu fais c'est mal. Deux points de victoire à la fin, là. Il a 4 PV. Ouais. Je veux pas… Oh, si, une petite… Mais non, mais Florent, on s'en est bien sorti, arrête. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ouais. Ça me paraît une bonne idée. Et ça… Ça, tu peux plus utiliser… Ah si, t'as un canon… Si, tu peux échanger un de tes canons avec un autre. T'es pas obligé de le faire. C'est comme tu veux. Parce qu'il y a son multi qui est bien. Ouais, je vais changer. Ouais. Et là, il l'utilise automatiquement. Ouais. Ah. Tu tires. Tire. Bon. Fais-toi plaisir, mange-toi. Vas-y, Florent. C'est meilleur que vengeance. 8, c'est fais pas un, mal. Fais un. 8. Oh, punaise. Deux d'un coup, c'est bon. Quel enfoiré. Beau tir. Allez, 6. Troisième tour. Quatrième tour. Attends, et il faut qu'on en garde 5. Ouais. Bah oui, mais bon. Ah oui, toi une. Il y a plus de 600 jeux. Moi j'en ai 4, ça va? J'en libère une, allez, c'est bon. Moi j'en ai 2. Je pense que là je suis tranquille. T'es tranquille. Garde tout ce que tu veux, Florent. Vraiment, fais-toi plaisir. Bon, attends, je dis. Finalement.
Ok. Hop. Allez. Vous aimez pas deux par deux ? Si, si. C'est vrai que c'est plus rapide. Plus vite, hein. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça dès le début, surtout. Clac. Paf. Alors, et mon garçon. Pichopitou. Tu connais courtement. Ah, merci, la Pinesco, merci. Je me targue même d'être un des meilleurs imitateurs de... Vas-y, à toi. Ah. Est-ce que vous arrivez à imiter ces délires faciès? Ah non, bah non. Parce que, quand ils sont... T'es très très fort, quand t'as... Eh oui. C'est bon. Alors, on est bon. Petit... Tac. Enfoiré, tu m'énerves. Oh, qui m'énerve. Et tu me cherches. Non, non, t'as réussi à trouver 3-8. Vous pouvez c'est pas me ressortir le 2. J'en avais deux, j'en avais gardé un. Purée. Je prends le 1. Tu me gaffe hein, sur les 4. Ah, mais il est chiant. On va le prendre. Je prends le 4. Ah oui, c'est dans la configuration idéale. Il est le 1 et on ne lâche pas nos 2. Donc là, autour d'après, ce que je propose, c'est que tu lâches pas. Mais je vais leur piocher. Le 5, tu le repiocheras. Donc le 2, il passe pas. Le 3. Tu le prends juste avec un. Ah, ça, ouais, c'est ballot, ça. Le 6, hein, il vient chez toi. Le 7, il est pour moi. Le 7 est pour toi, tout à fait. Alors. Et c'est parti, mon kiki. Donc, le 3, je vais aller récupérer un canon. Voilà, chez mon pote. Mmh. Ensuite, mmh. Avec le 7. Non, c'est un échange. Le 7, c'est un échange. Si tu veux. Moi, je ne suis pas très mal. Hein. Non, mais c'est juste... Tiens, je te l'échange contre un autre. Non, je veux bien ton multi. C'était juste pour en récupérer un. Ensuite, on va tirer d'abord avec le multi. Ah yes, ça tire dans le mille. Un vrai plaisir. C'est lui qui va mélanger et distribuer. Avec le mol. 1-5. C'est moi. C'est toi. Ouais. Boum, une pièce. En fait, pour gagner du temps, il faudra toujours regarder chez Florent et après, s'il n'en a pas, tu au cas où. Que se passe-t-il si on manque de pièces? On les remplace? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah si, pardon. Tu piques chez les autres. Oh la vache. Ouais, tu piques chez les autres. Du coup, le 7, tu ne l'as pas utilisé, hein, c'est si, ça? Si, j'ai fait un échange. Ah oui, pardon. J'ai fait un échange. Donc, 1, je prends mon dernier trésor. Ouais, tu t'es quand même bien gavé. Le 4, je prends une pièce. Parce que j'ai plus qu'un de canon. Ouais. Et maintenant, je tire. Allez, fais 4. 2. Putain. Ah. Lequel, là? Il y a une trésor des pièces. Oh, mais arrête. Lui, il en a pas mal. Pixie Game. Ah, c'est naze. C'est naze. Je quitte la société si j'ai... Bah, merci. Tac. C'est dégueulasse. Comme, on est bien d'accord que le trésor, tu iras le chercher ici. Bien sûr. Alors là, tu peux rêver. Tu comptes sur moi. Tu peux rêver. Okay, ouais, je sens que c'est vrai. Florent. Moi, je détruis un canon. J'ai pris la pièce. Ouais, j'ai pris la pièce. Oui, largement. Même plus que... 5. Alors, dis-toi que nos canons à Guillaume et moi ont déjà tiré. Oui, c'est bien pour ça que je me dis que... C'est les PV. Là, stade de la partie, c'est les PV qu'il faut regarder, Florent. Ouais, 3... Moi j'ai un simple en plus, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Je vais te détruire ton vieux machin. Hein. Ah, ouais. Ouais, mais j'ai qu'un simple, moi je comprends pas. Pourquoi tu me regardes? C'est bon, c'est bon. Tirer sur l'ambiance. Donc ça, c'est fait. Ouais. Moi une PZ. Et donc il me reste le multi. Multicanon. Bon. Eh ben tiens, il est déjà parti le 1. Il est déjà parti. Donc moi je fais 6, je prends la pièce et j'ai mon canon simple. Ouais. On va essayer de taper quelqu'un. 4. Yes. Très bien. Très, très bien. Ça remet tout en jeu. Hein. Ouais, ah, bon, ouais. Alors là, on peut en garder que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu de ménage, messieurs, là. Je vais virer un 2. Le con, tu sais. Le 8, ça m'a l'air mal engagé. Donc. Hop. Je suis vraiment trop gourmand. Florent, faut que tu gardes que... Oh, c'est moche de faire ça. T'as le droit de lui foutre un coup de pied. Ah non, la table est trop grande. Je ne répondrai pas. Donc, sauf 5. À coup de canon. Hein, le multi, c'est ça. Le multi. Juste à coup de canon. Tac. Tu fais 2-3. Et tac. Alors, qui a le 1? Ah,
Ah oui, j'ai pas fait mon 2, non, parce que j'avais pas la majorité au moment du 2. Tout à fait. C'était le premier joueur, Fred. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Yep. Oh, il a repris le 1. Pop, hop, hop. Ok, donc bah, le 1 c'est pour lui, le 2 c'est pour lui, le 3 c'est pour toi, le 4 c'est pour personne, le 5 c'est pour personne, le 6 c'est pour lui. Oh là, attends, mais Christophe, mais t'as combien de cartes là? Le 7 c'est pour moi. Mais t'en prends 4 à chaque fois, quoi. Mais non, ouais. J'en ai posé 3 là. Ouais, t'en d'accord. Avais gardé combien? Bah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est presque crédible. Ouais. C'est arbitrage vidéo peut-être. Ouais. On a tout enregistré. Généralement, fais comme on a dit, hein, t'as rien vu. Moi, je dis, il y a un loup. Hein. Allez, vas-y. Du pas de pouvoir, coup, ton canon molle. Pas de pouvoir, mon canon molle. C'est parti. 5, Donc toi, t'as que le canon. Non, il en a un peu beaucoup des canons. Oui, enfin, il a que ses canons. Ouais, deux qui peuvent se retourner contre lui. Hein. Non, là il va se venger là. Tant qu'à perdre, autant faire perdre les autres. Là, aussi, hein. Tu fais le simple d'abord. Ah, c'est clair. Simple d'abord. 7. C'est pour toi. Bah non, pourquoi moi? Ah bah. Hein, c'est le simple. Non, c'est le simple. Oh non, de toute façon, ça va pas changer grand chose. Bah, si, t'as vu tout ce qui va se gagner. T'as encore la majorité. Allez hop, le 7 là-bas. Non, le 7 là-bas. Non, le 7 là-bas, ouais. Ah bon? Ça va pas changer grand chose. J'ai moi qui voulais faire une super news de ouf sur Trick Track sur un deck dungeon. Si tu voulais refaire, je vais le mettre à la corbeille. Bon, vas-y. 2. J'avais une vidéo toute prête sur One Deck Dungeon que je voulais poster, je vais aller le faire. Allez, un petit. Qui c'est qu'on a le plus? La 8, c'est pas mal. Non, c'est pas bien, 8. Ah non, il a eu pendant 4 tours. Ça, ça cool. C'est pour le prendre au prochain tour. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ça peut encore, c'est le dernier en plus. Alors, un trésor déjà, messieurs, s'il vous plaît. Bah, je pense qu'il y a des parce qu'il y a des zéros. Je l'avais vu, celui-là, c'était zéro. On n'est pas censé regarder. Ah ouais, il t'a vraiment pas fait que le sens. Je ne sens pas trop celui-là. Il y en a zéro aussi, non? Ouais. C'est ça. De 0 à 3. Ouais, c'est ça. Tu voles un trésor? Bah. Totor, ressort ton trésor, toi. Non, mais il me l'a déjà piqué. Arrête de mytho. Rien que pour ça, il faut que tu les prennes. Oh non, non, tu fais pas ça. Il a largement pris de l'avance. Moi, j'ai essayé de mytonner, mais c'était de bon ton. Il a dit pixie. Je te tire pas dessus. Tu me piques pas un canon tour d'après? Non. Hé, hey, oh, oh. Ah bah alors là, du coup, j'hésiterai pas. Ah oui, oui. Non, d'accord. Vas-y, Florent. Et tu t'es engagé. Il s'est pas engagé. Si. Il a mis la main croisée sur le cœur. Quand je t'ai détruit ton 2, il t'a engagé. Les jambes croisées. Allez. Ah, c'est nul. Et t'as pas le droit de regarder. T'as pas le droit de regarder en plus. Oh, l'enfoiré. Non, celui-là. Vas-y, choisis. C'était une triche. T'as l'enfoiré. 15 ans de bento. Ah, c'est bon. À Châtelet Léa, là. Trop donc bon. Ça, c'est fait. Oh, c'est là, la pièce que je vais piquer à. Voilà. Hein. Ouais, là, c'est quand même. Tu répartis. On répartit les coups. Ok, je comprends plus. Le one shot. 5. Te remercie. Enfin, non. Et... T'es du choisi. Ouais, je répartis mes coups chez toi, Florent. Ouais. Et. Je suis habitué. Ouais, ça faisait longtemps que t'as pas perdu. Le tromblon. Tromblon. 3. 3. Ah non, ça j'ai pas. Donc je c'est prends. Toi. Ouais. Et tu prends une pièce à quelqu'un. Et ben. Moi j'ai avec 3, hein. De toute façon. Bah, Fred. Je vais pas aller bien loin. Ok. Ah là là, misère. Alors, on en arrive ici. Je pique quand même un canon. Oh, mais ça va, ouais. Ah bah, attends, on va se faire des points. Hein. C'est le genre de jeu où il faut pas trop être en tête sur la première moitié. C'est ça. Non, après. Je et puis, avec la 7, je fais un échange. Tiens. Oh là là. T'as pas dit que tu le faisais pas? Ah bah non. Ah si. Mais j'avais croisé mes jambes sous la table. Ok. Alors le premier tir. C'est un trigger après si vous faites un 7. 7, c'est toi qui prends. Oh merde. Tiens, ça t'apprendra à fumer. Le deuxième. Pas cochère, comme dirait Olivier. Le 5. Le 5, tu choisis. Il y en a partout. Espèce d'ornithorynque. Eh mais sérieux. Je te pique une pièce. Parce qu'il m'en manque une pour me payer. Et mon troisième, c'est un. Oh la vache, mais arrêtez quoi. Oh punaise. Quel canon de t'as merde bien quand même, hein. Et alors là, on peut en garder plus que 3, 7. 4, 5, 6, 7, ça tombe bien, j'en ai 7. Et dernière manche.
Attends, je te laisse mélanger les 8 cartes. Ouais. Oh la vache. C'est encore pas gagné. Hein. Ah, sur les 8, il est pas mal. C'est encore pas gagné. Hein. Donc après, vous rappelez, vous avez les PV des. Oui, les points de victoire. Enfin, ça te rapporte les points de victoire. Exactement. Ouais. Enfin, après, on fait une manche complète, comme on a fait là. Oui, avec le pouvoir. Et mais après, on recompte les majorités. Ah oui, c'est vrai. Après les canons, du coup. Ouais, après les canons. Excellent. Ah, là, c'est 4. Oui. Excellent, ouais. C'est 4. C'est-à-dire que le dernier tour peut faire très donc mal. Donc là, on en pose 3. Tu cherches pas mal. Niveau calcul de proba, ça change tout. Là, tout de suite. Laisse tomber, je m'en fous. Je vais y aller à la gueule, hein, tant pis. Je fous du chaos là où il n'y en a pas. Allez, on fait ça. Bim, bim, bim. Hop, 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 hop. Oh, il sait qu'il a récupéré le 1. Il a récupéré le 1, c'est pas possible. Ah non, attends, tu en mets un 7. Fuck. Ok, 1, c'est pour lui. 2, il n'y en a pas. 3, il n'y en a pas. Pas. Putain, c'était le 3 qui fait que je prenne le 4. 4, j'en ai un. 1, moi aussi. 1 aussi. 5, 2, 1. Moi j'en ai 1. 2. Oh lolo, 6. Putain, t'as remonté, 3. Bien joué. 7. Oui. Ok. Ah non, tu l'as le 1. Ouais. Et c'est Florent qui commence. Une petite pièce, il n'y en a plus. Ouais, tant pis qu'un. Ouais. J'en ai plein. Honnêtement, ouais. C'est de bon cœur. Je fais l'homo, non. J'allais proposer. J'allais proposer. 1. Et tu tires. Et je tire. Ouais, hello. Là. Il y a deux multiples, ça peut faire. Ouais, les multiples, ça va être rigolo. Oh là 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 là. Ben, sauf les 5. C'est un joueur de wargame, hein, quand même. 5. Ah, mais sauf moi. Qui, oui, c'est vrai. Donc là-bas. Donc c'est un multi, hein, ouais. Ouais, mais il y a que toi et moi qu'on a. Ouais. Et le deuxième. Et du coup, ouais, on se fait pour la majorité. 6. Ah, c'est du multi. Là, c'est Christophe Aureux. Oh la vache. En même temps, j'en toi aussi, t'en avais un. Ouais, j'en avais un. Mais bon, et le simple. Je m'en foutais un peu. Pour la majorité, de toute façon. 2. J'ai qu'un 2. Là, là. Ah, tu donnes la majorité à quelqu'un. Sans ce frein, ça fait juste 2 PV, PV qui bah, me c'est 2 PV. Mmh, l'air de rien, c'est 2 PV. Encore ah, je pense que ça commence à devenir personnel. C'est le qui est en tête. Tu veux un trésor? Bien sûr, j'ai un trésor. Non, 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 mais il va les sentir maintenant. Ouais, c'est clairement, ça a cassé le. 5, je tue un canon. Je m'en fous, j'en ai plus. Non, non, mais arrête. Non, non mais les jambes croisées, ça va bien. Hein. Ouais. Et donc là, j'ai 2 canons simples, donc on va commencer par le premier. 6. Il n'y a plus que toi. 8. Tu choisis. C'est... Bah, là, pour faire un peu de tension sur la fin de partie. Bien. Bien. Donc 7, échange de canons. Ben non, je vais pas le faire. Bah, dis, fais-toi plaisir. Non, je m'en fous. Le simple. 1, 2. Oh bah, tu as fait de faire un 2. Le mou. Aïe, c'est parti, il n'y en a plus. Bah oui, il faut tirer avec ceux-là. 6. Là ou là? Non, bah là. Et puis, je vais prendre une pièce. Parce que du coup, je ne sais pas comment me payer. Très bien, et il me reste moi à jouer, mais moi j'ai rien du tout, rien j'ai pas tout. De canon Pozzab. Du coup, les majos, donc 1, tu prends un point de victoire, 2, du coup il n'y en a plus, 3, il n'y en a plus, 4, il y en a 1 aussi, 5, 1, 6, 1, 7, oui. Et 8. Ah, c'est bon, il prend le 8. Foiré. On révèle ses trésors. Donc le canon vaut plus 2, hein, c'est ça? Ouais. Et on fait le total. Moi, je suis à 12 points. C'est quand même de la putain de mousse. Ça fait chier avec 5, 6, 7. 7. Moi, j'ai 3. Ça fait chier à compter. On est d'accord que la pièce qui est là compte pas. Ah oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 7, 15. 16. T'avais combien? 22. Non. Même pisque-pisque, là, le canon buster, ça se l'est joué à pas grand-chose. Ça, c'est bientôt disponible. Ouais, fin du mois. Fin du mois, janvier, février, fin, février. 2018, fin du mois de février. Le mois de février, voilà. Fin février, ça sera à Cannes, sur le stand d'Epixie en français. Ouais. C'est le Cannon Buster de Kim, de Gary Kim, de son prénom. 2 à 4 canonniers à partir de 8 ans. À 4, c'est beaucoup plus drôle. Dans les 25 euros à peu près. 25 euros et 30 minutes. Vous savez tout.
Écoute, sincèrement, Florent, en tant que cible, tu reviens quand tu veux. Hein, là-dessus. Je vous remercie. Viens. Enfoiré de Christophe et de Fred qui essayaient de me détruire mes canons, mais j'ai eu chaud quand même. Le 7 m'a bien aidé. Hein, parce que sans ça, ça faisait pas lourd. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça faisait plus que 9. Bah, tu me diras 16 moins. Bah, 9 ne moque pas, il a fait 3 points, Florent. J'ai, mais j'ai pas dit que je me moquais de 3 points. C'est pas vrai, tout le monde s'est acharné sur lui. Sauf moi. Moi, je l'ai respecté, Florent. Ah, c'est vrai. Je t'ai rien piqué. À peu près. Ça. Ah, c'est vrai. Donc, on a été cordial. Tu écoutes de temps en temps. Oh, par-ci, par-là. C'est Jean Poitin de Mathieu. Dans la masse, je n'ai rien vu. On croirait moi d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce Cannon Buster. Merci à Germain pour la réalisation. On va se retrouver, que ce soit sur de la piraterie ou non, ailleurs. Et une fois encore, de toute façon, vous entendrez le coup du canon. Et voilà l'explosion. Merci Germain.